Non. Non, vous allez comprendre. Salut à tous, ici Arrojarion pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Très spéciale, puisqu'on va pas parler de jeux vidéo, enfin, plus ou moins, c'est jeux vidéo, mais cette fois-ci, je vais pas vous faire une vidéo sur un jeu vidéo, je vais vous faire une vidéo de présentation, en fait, sur différents produits de jeux vidéo, en fait, qu'on m'a gracieusement prêté. Et donc, on se retrouve vite fait en plein gros. Bonjour. Et donc, voilà. Donc, je vais vous présenter. C'est rien, c'est pas grave. Si aujourd'hui c'est lundi, c'est un jour de le premier jour de la semaine. C'est comme ça. Et c'est la première fois que je passe aussi grand. Hein. Ouais. Ouh. Bon, allez, je vais donc vous présenter. Merde, je voulais ouvrir le site. Voilà, je vais vous présenter donc des jouets qu'on n'a pas pour habitude de voir, c'est vrai, et que je vais quand même vous présenter vite fait, parce que forcément. Donc voilà, merci à Goodies Figurines d'ailleurs de m'avoir prêté les produits. Et donc je vais vite fait vous présenter ces produits. Donc issus de l'univers Warcraft. Donc Warcraft est sorti bientôt là en DVD, il devrait pas tarder, hein. DVD, Blu-ray 3D, 4K, tout le trick, Steelbook, tout ce qu'il faut. Et donc bien sûr des produits dérivés, bah il y en a eu à l'appel. À l'appel, je regarde en haut, je regarde en bas, je sais plus où je regardais là. Donc des produits dérivés bien sûr sont arrivés sur le marché, dont les fameux goodies de Warcraft, comme par exemple cette épée. Donc l'épée de Stormwind, bien sûr. Donc elle fait quand même 80 cm, hein, si je ne me trompe pas. Donc allez, je vais la mesurer là, en direct. Hop, 80 cm. L'épée de Stormwind, donc c'est une épée en mousse PU comme on appelle. C'est quand même du solide, hein. Je pense qu'il y a une armature à l'intérieur. C'est pas du métal, je ne pense pas que c'est du métal ou vraiment c'est vraiment infime. Mais ça reste quand même assez assez souple, hein. On le voit, je sais pas si voilà. On le voit quand même, hein, c'est assez souple, c'est pas dangereux, pas du tout, c'est pas pointu au bout, donc là il y a une petite protection, hein, pour éviter d'abîmer, même si effectivement c'est de la mousse et forcément au bout d'un moment ça va s'abîmer, hein. Mais je veux dire, autant on voit bien, voilà, un petit peu, je peux pas aller plus haut parce que ma caméra elle est un petit peu, voilà, la précision, on voit quand même, c'est bien foutu. Moi j'aime bien. Bon, après c'est vrai, c'est pas l'épée à 400 € comme on peut la trouver sur des sites spécialisés dans les armes de films. Donc on voit un petit peu bien sûr des petits trucs là, bon ben voilà, mais c'est de la mousse, donc c'est spécialement pour le cosplay, je dirais, d'une part. Ça peut être utilisé pour ça, comme des fois on en voit beaucoup qui s'amusent à faire des armes. Je pense que là, pour
pour le prix, pour l'arbre que c'est. Et bon, à quand même 80 cm de long, de grand, de haut. c'est quand même assez intéressant, c'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est sympathique. Ça peut servir de décoration, bien entendu. Et puis voilà, donc l'épée de Stormwind, n'est-ce pas? C'est léger. Hein, c'est comme dit, c'est de la mousse, c'est du PVC, c'est sympathique, d'accord. Donc voilà, la mousse Stormwind, l'épée Stormwind. Ensuite, nous avons, donc là, je ne l'ai pas déballé parce que là, celle-là, elle est arrivée comme ça, donc je ne vais pas non plus tout déballer parce que c'est quand même quelque chose de sympathique, hein, et puis même si on aimerait voir, de toute façon, on se rend vite compte de ce que c'est. Je veux dire, voilà, donc c'est l'épée du dragon, n'est-ce pas, la Dragon's Sword. Là c'est pareil, hein, alors celle-là elle fait par exemple, hey, on saurait mettre 80 cm aussi, voilà. Donc voilà, c'est l'épée du dragon, voilà, elle est un peu moins belle, moi je l'aime pas, c'est pas ma préférée par rapport à celle de Stormwind, bien entendu, hein, ce qui reste quand même, mais je veux dire, elle est sympathique, elle est bien, elle est assez grande. Et bien dessiné, n'empêche, c'est bien foutu, quoi. Et comme dit, c'est pour du cosplay, voilà, donc on se rend un peu mieux compte de la taille, hein, donc 81 cm. J'arrive pas à caser ça dans la caméra. Donc voilà, et non, franchement, c'est bien foutu, c'est bien fait. On peut se balader avec ça le samedi, quand on a envie de faire une petite LAN et de montrer à ses petits potes sa petite truc, son petit épée et tout. Non, c'est sympathique. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons encore un produit. Hop! Donc là, ça, c'est le marteau de Durotan. Ah, pardon. Ouais, moi, je regarde devant, forcément. Alors là, c'est pareil, je l'ai pas déballé parce qu'elle est vraiment bien. Donc le marteau de Durotan, donc là, c'est pareil, hein, c'est pas rien, c'est pas un petit truc, hein, ah, ça brille un peu, là. Hein. Ah, là, on le voit mieux, voilà. Hein, donc c'est toujours pareil, c'est du PVC. Une partie quand même solide au milieu, donc vous pouvez le tenir en main, hein, c'est quand même... vous voyez, hein, c'est... Voilà, c'est quand même solide, hein, mais je veux dire, c'est pas tranchant, hein, c'est de la mousse. Donc voilà, super bien réalisé, non, franchement, là, moi, je suis... Pour ce prix-là, ça peut être décoratif, ça peut très bien se positionner sur le mur, et puis être un objet de décoration. Bon, forcément, quand on va se rapprocher, on va voir que c'est un truc en mousse, quoi. Mais bon, je veux dire, c'est sympa, c'est pas mal, c'est... Alors, la taille, le poids, je crois que c'est même pas un kilo. Ou alors c'est vraiment un kilo en taille, pardon, j'ai oublié de vous le dire, hop, avec le petit mètre, 49 cm en long, et en large, allez, en large, hop, à peu près à 28 cm. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc, voilà, c'est sympathique, c'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est vraiment représentatif, bien sûr, ils ont sorti des, il faut que je regarde là, je regarde en bas, parce que je regarde en même temps les streams, ils ont sorti des armes... plus réaliste, hein, bien sûr, en échelle 1-1, mais là, le prix est légèrement différent, bien sûr. Nous avons encore... alors là, celui-là, j'aime bien, c'est le bouclier. Le bouclier Stormwind. Donc là, Alliance, hein, ouais, Alliance, ouais. Petit dédicace à Chris. Donc, voilà, là, la taille, hein, hop, là, je recule un petit peu, là, pour que vous puissiez voir, voilà. Ah, voilà, là, c'est bien comme ça, c'est bien, c'est pas mal comme ça. Donc, le petit bouclier Stormwind, l'Alliance, donc, très sympathique. Donc, ici, vous avez des petites lanières, hop, on peut mettre la main derrière, hein, on peut s'accrocher, voilà. Et pareil, c'est du plastique, c'est du PVC forcément, hein, c'est pas une réplique en métal comme on peut avoir, mais c'est un objet décoratif, et donc forcément, moi je le trouve vachement bien, ce truc là, c'est sympa, non, je le dirai pas, c'est manine, voilà, bon ben voilà, c'est 73 cm. Par la taille, 73 cm, le poids, voyez bien, voilà, c'est léger, c'est pas lourd, quoi, mais c'est sympathique, c'est un petit bouclier sympa. En plus, j'aime bien le lion, il est vraiment bien fait, quoi, c'est vraiment, c'est sympa. Vous voyez, là, donc, je vais en venir, pour finir cette vidéo, là, vite fait, je vais en venir à mon préféré, forcément, celui-là que vous avez vu en début de vidéo, c'est forcément le marteau de Doom.
le Doomhammer. Alors là, celui-là, je dois dire que franchement, il est sympa. Il est sympa, il est vraiment bien fait. Alors, attention, parce que n'empêche, je pense que même avec ça, si on tape sur quelqu'un avec, on va quand même le sentir passer, même si c'est léger, c'est pas tranchant, bien sûr, comme tous les autres. C'est de la mousse, hein. C'est... On voit pas bien là. Non, on voit pas, comment on peut le montrer ça. Voilà, c'est, voilà, c'est pas, hein, c'est, mais franchement, c'est bien foutu, quoi. Le truc, ils ont vraiment, après finition, on va pas regarder trop près non plus. Je veux dire, c'est, mais voilà, c'est le marteau de Doom. C'est sympathique. C'est voilà, c'est joli, c'est beau, c'est décoratif, c'est, on peut se balader avec ça si on a envie de faire avec son petit copain et ça. Avec sa rire rebelle de pote sur une LAN, et on va venir avec ça. Bon, bah, si tu m'emmerdes, mon gars, tu vas prendre le coup. Donc voilà. Non, franchement, moi j'aime bien le marteau de Doom. Ouais. Allez, là je me ferai plaisir. Je crois que celui-là il va finir au mur. Accroché. Pareil, on va pas emmerder là. Et donc voilà. Donc tout ça là, c'est les goodies des produits dérivés du film Warcraft que vous trouverez sur le lien sur la boutique Goodies Figurines, que je vais d'ailleurs vous mettre en lien. Et puis voilà, c'était très sympathique, c'est très joli. Donc c'était une petite courte vidéo en espérant que, bien sûr, la BlizzCon 2016, on va retrouver le fameux cosplay. Le fameux concours de cosplay, j'arrive plus à trouver le nom. Le fameux concours de cosplay qu'on va pas louper, parce que je pense que cette année, encore une fois, les gens, ils vont se surpasser comme pas possible. Le dernier concours à la Comic Con, c'était invraisemblable. Hein, le premier a été monstrueux. Je dirais monstrueux. D'année en année, on voit l'évolution vraiment des cosplays. C'est waouh! Juste magnifique, quoi. Donc, les gars, continuez comme ça. On se retrouve bien sûr bientôt. Hein, bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres choses, jeux. Allez, on arrête là. N'oubliez pas la petite. Je mettrai tout de toute façon. Voilà, vous démerdez. Vous savez comment ça marche maintenant. Allez, ciao. À la prochaine. Plaisir. La chaîne PlayerZone, la chaîne PlayerZone, je mettrai le lien, c'est pareil, n'oubliez pas de visiter la chaîne pour tous les news, jeux vidéo, voilà, ciao.